Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Veuillez m'excuser pour les bruits de ventilateur qu'il pourrait y avoir. Je reviens de mes courses et j'avais envie de vous faire rapidement un petit haul miam miam. Oui, ça change. Donc allons-y tout de suite, allons-y gaiement. Ça c'est pour la fin. Donc ce que je bois beaucoup en ce moment, ce sont les soupes froides. Donc assimilé, gazpacho, etc. Donc là nous avons poivron doux et épices et tomate menthe basilic que je n'ai pas encore goûté. Oui, je prends de la marque, on verra bien après si je prends autre chose. Et un peu petite brique gazpacho traditionnel et le concombre menthe qui est une vraie tuerie de ouf. Pour limiter mon apport en protéines animales du style viande, etc. Quand mon chéri se fera des steaks, donc de viande hachée, etc. Par exemple, je testerai les steaks de soja. Donc là, c'est tomate mozzarella. Donc ça m'a l'air vachement trop bon. Je verrai bien si j'aime ou pas, etc. Je suis contente. Je vais continuer de changer mes habitudes, etc. Par la chaleur qu'il fait, je suis heureuse de pouvoir me faire du thé glacé moi-même. Donc là, il faut que je me recharge, hein, mais j'ai plus grand-chose. Et donc, en ce moment, je fais le Sun Tea de chez Lipton, qui est thé vert menthe intense, qui infuse super bien dans l'eau froide. Donc, ce que je fais, c'est je prépare ma carafe, je la remplis d'eau jusque-là en eau bien fraîche. J'en mets 2 à 3 sachets dedans et je laisse infuser 1 à 2 heures dans mon frigo. Normalement, il infuse en 4 minutes. Surtout que c'est des sachets pyramides, donc ça infuse super bien. C'est vraiment un thé qui infuse très bien dans l'eau froide. J'en suis vraiment ravie. Étant donné que le packaging n'est vraiment pas terrible pour contenir les petits sachets et tout, et être à l'abri quoi que ce soit, j'ai utilisé la petite boîte de chez My Little Box en partenariat avec Marks & Spencer. Donc comme quoi les goodies de la My Little Box, ça sert bien. Et quand j'aurai fini celui-là, j'attaquerai celui à la pêche et à la mangue exotique. Donc toujours de chez Lipton. Voilà. Suite à une vidéo de Uriel, alias H Cosmétique, j'ai eu envie de tester les galettes de maïs. Je suis pas très fan de tout ce qui est galettes de riz, etc. Et elle avait mis les galettes de maïs dans ses favoris. Je me suis dit, tiens, je connais pas, il va falloir que je goûte. Et voilà, j'en ai trouvé chez Gerblé. Faudrait que je vois si je peux pas en trouver à Franprix ou ailleurs qui soit moins cher, parce que Gerblé est quand même assez cher. Mais en plus que 19 kcal par galette, ça m'a l'air plutôt sympathique. Je souhaite aussi diminuer mon apport de produits laitiers et me limiter au fromage dont je suis complètement addict. Et comme je suis aussi addict au lait chocolaté que je me fais 1 à 2 fois dans la semaine, mais en version glacée, parce que de toute façon je ne suis pas très fan de lait chaud, j'ai envie de tester avec autre chose et j'avais pas du tout aimé le lait d'amande ou noisette, etc. Le lait de riz, ça me dit rien du tout, mais peut-être qu'il faudra que je teste. Et donc là, je vais tester le lait de soja à la vanille. Donc voilà, de chez Bior. On verra bien si ça me plaît ou non. J'ai récupéré de la place dans mon congélateur et donc je peux me refaire mes petites glaces avec les trucs de chez Ikea. J'en suis vraiment fan et je me fais vraiment des glaces à l'eau que j'aromatise avec du tang. Donc ça m'apporte quand même un peu de sucre et c'est juste trop bon. Donc je suis vraiment ravie. Oui, je fais ça avec du tang, étant donné que je me suis ramené des sachets de tang du Brésil. Comme je viens de vous le dire, je suis vraiment addict au fromage et mon péché mignon, c'est la mozzarella. Moi je prends celle de chez Monoprix, elle est tout aussi bien que les autres et elle reste moins chère. Et j'ai fait aussi un plein de fruits. Donc j'ai pris des pêches jaunes, des abricots, des pommes et des bananes. Faut savoir que je suis toute seule à manger des fruits à la maison et que ça me sera largement suffisant pour la semaine normalement. De toute façon, si je suis en manque, j'irai en racheter. Donc voilà, je vous ai fait un point de mon petit haul miam miam. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous achetez pour rester en bonne santé côté alimentation. Les trucs que je pourrais découvrir ou quoi. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous, des gens autour de vous. Soyez heureux, profitez de la vie. Ciao.